Bonjour! Bienvenue dans ce vlog numéro 6. Aujourd'hui, on a dormi super bien à la ferme. On s'est levé dans un calme plat. Et là, on va partir direction l'Autriche. Donc, on quitte l'Italie. Et on va à... Comment ça s'appelle? Krimlava. Enfin, là, c'est des cascades. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Et après, on dort ce soir dans un camping. Donc voilà le programme de la journée. On a 2h30 de route et on va peut-être s'arrêter à quelques petits villages ou manger quelque chose à midi. On verra. En tout cas, première chose avant tout, petit déjeuner fait par Elisa. Waouh. Wow. J'étais chez Boulanger ce matin. Waouh. Sixième jour déjà et si vous n'avez pas vu les vlogs précédents, nous vous invitons à aller check les autres vlogs parce que sinon vous allez rien comprendre. Bon, opération collage de la vignette pour les autoroutes autrichiennes à côté de la Suisse. Là. Ouais. Wow. Et voilà, on est dans notre troisième pays, l'Autriche. C'est pas tout hein, mais faire de la route ça creuse. Hein. Ouais. Ah j'ai trop faim. Par contre je sais pas si c'est à cause du corona ou la mi-saison ou parce qu'on est lundi, mais il y a tout qui est fermé, c'est abusé. Ça c'est chaud. Hotel Boy. C'est là où on est ouvert. Passé non? C'est ouvert? Ouais. Ah si. J'espère qu'on va trouver quelque chose à manger. Ça c'est l'Autriche qu'on a eu. Trop bon. Et s'il te plaît, on a payé 24 €. C'est le prix d'un plat genou. Ouais, c'est ouf comment c'est pas cher l'Autriche. Genre le diesel il est à 1,05 alors qu'en Suisse ou en Italie il était à 1,49. La différence de prix est ouf. Et du coup là on a encore 40 minutes de route jusqu'au camping. On va poser la voiture, on va s'installer et après on va aller voir les cascades à Krimel. Les plus hautes cascades d'Europe. J'ai hâte de voir ça. C'est trop beau! Et d'après le panneau, on est censé voir les cascades d'ici déjà. Alors on les voit, mais c'est vraiment tout petit pour l'instant. Et en plus, il y a les nuages devant. Mais c'est, ça a déjà l'air vachement impressionnant, hein, je trouve. Ok. Du coup, on est là, au petit point rouge. Et là, il y a la cascade. Et il y a plusieurs petits points de vue où on peut voir les cascades jusqu'à tout en haut. Waking me to need a loving girl. And you don't know why.
my god. On a pris la douche. Après l'effort, le réconfort. Tu mettras pas mon tête. Si, alors, j'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce que veut dire ce hashtag? Enfin, perso, je l'ai direct compris. Et à une, elle a compris quelque chose d'autre. Hein. Moi, j'ai compris life is a tea. Alors que c'est life is tasty. Moi, j'ai compris life is a tea. Genre, la marque, elle a fait tout un slogan. La seule qui comprend pas, c'est elle. C'est trop beau en hiver. J'aurais trop aimé venir en hiver. Ah. Pleut encore. Purée, il a plu toute la journée. Hein. Bon. Maintenant, direction le camping, là où on va dormir ce soir. Là-bas au fond, à côté de la pierre, on adore. Youpi! J'adore cet arbuste. A plus, hein. Bonne douche. C'est pas qu'on est crade, hein, mais bon, camping, c'est pas toujours très très propre. Une douche. Ah, t'es enfin propre. Je suis tranquillement en train de manger mes chips et madame me dit que demain on va changer les plans et on va pas dormir là où on est censé dormir. Non. Et on va pas au lac qu'on est censé aller. Si, mais si, ça si. Ouais, mais c'est pas sur le chemin du coup. Mais de toute façon, c'était pas sur notre chemin. Là où on dormait, c'était pas du tout sur le chemin. Ouais. Nous on dormait là. Et Tselamze, c'est là. De toute façon, c'était prévu vu que c'est qu'une heure. Et donc, on fait quoi? Ben, on va à Tselamze et après, on va à l'hôtel. On fait wellness, on fait spa. Très, très aventureux. Wellness and spa. Bon, bah écoute, je suis ravie de le savoir. Hein. Vraiment, genre, what? C'est quoi ce changement de plan de luxe? Ok, bon, bah, je vais continuer à manger mes chips tranquille. Update, je viens de comprendre parce que madame me dit pas, mais en fait on dort dans l'hôtel le soir. Donc on va faire wellness et tout la journée et le soir on va dormir là-bas. Ah ben, le vlog il va prendre une autre tournure. Ah ben là on va arriver en mode touriste, touriste cassos là avec des chaussures de marche et tout. Ok, bon, c'est cool. Bon, c'est sur ces magnifiques deux petites soupes que l'on va se quitter pour notre avant-dernière nuit dans le van. Parce que demain, comme dit, on va dormir à l'hôtel. J'ai trop hâte. Et du coup, on se dit demain, 19h sur ma chaîne, pour le prochain vlog. Salut !